Nous sommes le 27 mars 2005, nous sommes sur la Flèche Bramanson. Lance Armstrong est la principale animation au départ de la classique belge. D'ailleurs, Lance Armstrong va avoir quelques soucis avec les autres directeurs sportifs. 198 km entre Zaventem et Elsenberg donc. Et on va voir qu'à plus de 32 km de l'arrivée, un groupe de 14 coureurs s'est constitué avec Merckx, De Weerdt, Lovic, Van Sumeren, Van Hoefel, Kroon, Hincapie, Neuhans, Fréré, Gerrans, Gusev, Joly et Capel. Et c'est surtout lors du dernier tour de circuit qu'on va voir les hostilités se dérouler alors qu'on collaborait très bien à l'avant de la course. Oscar Fréré, le champion du monde de la Rabobank, vainqueur de 3 étapes et du classement général de Tirreno, s'est isolé. Il est vite rejoint par Axel Merckx, 3e en 2001, 5e en 2004, 6e en 96 et Lotte de la Quickstep. Mais finalement au sprint, pas de surprise, Oscar Fréré s'impose devant Lotz, 6e en 2001 et en 2004, et Axel Merckx. Van Hoefel finit 4e à 41 secondes, Kroon, Hincapie, Neuhans, Gerrans, Gusev et Sébastien Joly. Ciao tout le monde.